Equinox, je présume. Vous êtes ? Départ. Dirigeant des mers et des océans. Duchesse aux 29 légions. Bon, ça te parle ou faut que mes pointes rafraîchissent la mémoire ? Oui, 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 Vépar ! Nous étions voisins de cellule, il me semble. Et ça t'amuse ? Non, madame. Bon, de toute façon, je suis pas là pour parler chiffon avec toi. Je suis là pour mon rapport. Là, comme ça, avec tout le monde autour ? Si y'a que ça qui te dérange. Bon, je commence et je te préviens. T'as intérêt à suivre. Parce que je suis pas d'humeur. Je viens de fumer une enflure de première. M'oblige pas à te faire subir le même sort. Une enflure de première ? Faut qu'alors. C'était mon second. Avant qu'il me trahisse et me fasse enfermer. Je vais bien me laisser la gueule à lui et ses 30 légions. C'était pourtant un général ? Il devait pas être si fort. C'était quand même mon second. Je m'entoure pas de faibles, moi. Il reste un puissant démon aquatique. Capable de tout connaître, qu'importe l'étendue d'eau. Même dans l'eau des chiottes. Il sait quand tu vas chier, mon gars. Rien n'échappe à sa vigilance. Enfin, échapper, avec ce que je lui ai mis dans la gueule. Il pourra plus surveiller grand-chose à présent. Il est mort ? Mort digne de lui. Lui qui aimait couler les navires et noyer leurs équipages. On peut dire que sa passion a eu raison de lui. Je l'ai noyé. Vous avez noyé un démon aquatique ? C'est grâce à ses ailes qu'il pouvait se mouvoir dans l'eau. Une fois arraché, bye bye. Tiens d'ailleurs... C'est pas le seul général que j'ai éliminé. J'ai fait sa fête à Floros. Floros, le second Andras ? Notre combat restera gravé dans la légende. Un combat enflammé, puisqu'il aime faire mumuse avec ses flamèches. D'habitude, il apparaît sous la forme d'un léopard. Mais pour me combattre, il a choisi sa meilleure forme. Celle d'un homme au visage enflammé. Notre combat... durera 3 jours et 3 nuits. Et avant qu'il ne rende son dernier souffle, je l'ai enfermé dans un triangle magique pour qu'il me dise où se cachait Shax. Un triangle magique ? Pourquoi faire ? C'est le seul moyen pour qu'il dise la vérité. Sans ça, j'aurais pu le torturer pendant des jours. Il n'aurait pas craché le morceau. Tiens, d'ailleurs, Shax est aussi soumis à cette règle. Mais dans ce cas, faudrait le capturer. Il pourrait nous donner tout un tas d'informations. Trop dangereux. Shax a le pouvoir d'ôter la vue, l'ouïe et la compréhension de toutes choses. Et il est un voleur hors pair. Il dérobe des richesses pour ne les rendre que 1200 ans plus tard. C'est vrai que s'il s'évade des nouvelles des dossiers compromettants, on est mal. Oui, puis c'est un peu tard maintenant. Comment ça ? Il me casse les oreilles, ce satané piaf avec sa voix. Alors j'ai broyé la gorge. Oui, mais j'y suis allé un peu fort et il n'a pas survécu. Mais si vous tuez toutes les cibles, ils vont se douter qu'il se passe quelque chose et on va se faire choper. Bon, ça va. Je tue pas tout le monde. Le chevalier à Bigorre, par exemple. Je l'ai pas tué. Ouais. En même temps, se frotter un duc à la tête de 60 légions, c'est risqué. Il est bien entouré, mais c'est pas tout. Il est un virtuose dans l'art de la guerre. Il est très doué en stratégie militaire. Capable de prédire position et tactique adverse. Et il persuade les armées les plus puissantes de s'allier à lui. Ah mais oui, les humains l'invoquent souvent d'ailleurs. Par contre, les batailles les plus sanglantes de l'histoire, c'est souvent dû au conseil de Bigorre. Mais il n'excelle pas que durant les batailles militaires. Il remporte aussi les affrontements juridiques, en influençant les résultats de procès. Pratique si j'ai des soucis avec la justice à force de demander des nudes à mes abonnés. Et il ressemble à quoi ? En général,
il se montre sous l'aspect d'un beau cavalier, portant un étendard. Mais il aime aussi être sous la forme d'un spectre, chevauchant un cheval aux allures squelettiques, connu sous le nom de Destrier d'Abigorge. Je crois avoir vu un truc à ce sujet. Belzébuth l'aurait fabriqué à partir de chevaux provenant du jardin d'Éden, non? Eh ben, t'es pas si ignare qu'on le dit. Bon, pour finir, Gusoin, le dernier duc aux 45 légions. Gusoin, qui apparaît sous l'apparence d'un chameau ou d'un singe, en fonction de son humeur. Et ce serait un orateur franc et honnête. Mais il est surtout celui qui possède le plus de connaissances parmi ses congénères. Les humains l'invoquent souvent, parce qu'il connaît la réponse à n'importe quelle question ou énigme. Mais en contrepartie, il rend arriviste, orgueilleux et jaloux. Ces informations nous seraient utiles, on le trouve où? Nulle part. Vous avez pas encore tué quelqu'un? Bah, la rumeur disait qu'il aimait séduire les femmes et les pousser au suicide après l'acte sexuel. Ah ouais? J'aurais jamais cru vu sa description. Bah justement, j'ai voulu vérifier. Et alors? Bah alors, il n'a pas supporté nos nuits de folie endiablée pour que ça s'arrête. Il s'est tué. Quel faible. Bon, maintenant ça c'est terminé. À la picole. Bois. Après l'effort, le réconfort. Ces humains sont si faibles.